Bonjour à tous, édition 86 déjà du balado du centre-ville. Alex Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Et aujourd'hui, Max, on se gâte. Une édition spéciale du balado du centre-ville, c'est rare qu'on en fait. On vous propose donc deux balados dans la même semaine. On est fou comme ça cette semaine. On là, est fou comme la neige dehors. Ben, oh, parle-moi pas de neige encore, Max, s'il te plaît. On est au mois d'avril, le 19 avril, tempête de neige. J'avais vraiment pas envie de ça ce matin. Par contre, j'avais envie de faire une autre édition du balado du centre-ville. Donc, deux balados cette semaine. Et là, pour ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube ou sur le rds.ca, moi puis Max, écoutez, on est pas mal propre, je vous jure. On a juste décidé d'enregistrer les deux podcasts, les deux balados le même matin. Max, tu sais, ça fait longtemps que je voulais jaser basket avec notre invité du jour. Les auteurs, humoristes, l'anime, imagine-le. Nous, on fait un podcast par semaine, lui en anime trois. Le podcast donc de Thomas Levac, Couple ouvert, Deux princes également. Si vous suivez le moindrement ce que je suis en train de dire, bien, vous comprendrez que notre invité du jour, c'est Thomas Levac qu'on accueille à l'instant. Comment ça va, Thomas? Extrêmement bien. Je suis tellement content de ça, là, Thomas. Mais merci, c'est un plaisir. Je suis très excité parce que c'est des séries au basket. Ben, certainement. Fan des Raptors, j'imagine? Non, parce que j'adore participer à Toronto. Ah, c'est vrai. J'aime plus Toronto que Boston. Okay. Wow! Okay. Je viens d'une famille souverainiste, fait que je peux pas exprimer de la tendresse, de l'amour et de l'admiration pour les Raptors de Toronto. Alors, avec quelle équipe tu démontres ton amour et ta tendresse, ton équipe préférée, Thomas? Je suis une guidoune dans la vie et au basket. Alors, ça dépend des joueurs. Longtemps, mon joueur préféré, c'était Damon Lillard, c'est là encore. Je trouve que c'est un joueur spectaculaire et j'aime beaucoup comment il réfléchit. Mais le joueur que je trouve que le joueur dans lequel je me projette le plus, c'est Draymond Green, parce qu'il est très intelligent. Mmh. Il crie après le monde, puis il se met dans le trouble. Et j'aime beaucoup ça. Et oui, ça représente exactement qui est Thomas Levac. Ouais. C'est bon, c'est aussi bon. Un podcast qui est super bon. Exact. Ouais, c'est vrai. Tu parles de podcast, tu sais quoi? Je pense que je t'ai découvert justement avec ton podcast, Thomas. Et tu sais comment c'est arrivé? Tu sais, souvent, tu vas sur Facebook. Là, je sais pas, il est 10h, 11h le soir, minuit, 1h du matin, ou 2h, ou peu importe. Là, tu regardes une vidéo de chat ou une vidéo de peu importe. Et là, chaque fois que... Non, mais peu importe. Chaque fois que je regardais une vidéo, la deuxième vidéo ensuite, c'était tout le temps un extrait d'un de tes podcasts. Là, le problème, c'est que, évidemment, avec l'algorithme de Facebook, plus tu regardes du Thomas Levac, bien, plus Facebook te pitch du Thomas Levac. Je dois dire, j'adore beaucoup tes trois podcasts. Je trouve que tu fais du très bon travail comme animateur, des bons invités. Et comme je le mentionne encore une fois, très content que tu sois ici avec nous ce matin. Thomas, donc, tu me dis que tu n'es pas un fan des Raptors de Toronto, mais même si on n'est pas fan des Raptors de Toronto, en 2019, le championnat des Raptors, est-ce que tu faisais partie de la vague? Tu dis que tu es une guidoune. Est-ce que tu as été guidoune au point de devenir fan des Raptors? Oui. À ce point-là, que j'ai aucune intégrité. Zéro. OK. Et voilà. J'ai zéro. Ils m'ont eu. J'ai passé toutes les séries éliminatoires, je les ai passées à la taverne au Pélican, qui appartient à Stéphane Larue, un écrivain que j'aime beaucoup, qui écrit Le Plongeur. Et j'allais là, et je buvais des shots de Canadian Club, et je criais, et on regardait le basket. Moi, c'était moi, ma blonde Stéphanie, et le dernier chum de Catherine Levac, ce que je trouve très, très drôle. J'étais avec le chum de Catherine Levac en peine d'amour parce que sa blonde a réalisé « Ouais, les gars, c'est pas pour moi. » C'était ça, mon 2019. Fait que toi, dans le fond, tu prenais des shots pour oublier que les Raptors étaient en train de gagner, puis lui oubliait pour sa peine d'amour. Voilà, pour oublier sa peine d'amour. OK, c'est bon. Écoute, merci Kawhi. Ben oui. Merci à Kawhi pour tout cet alcool. Mais c'est à ce point-là que je te guidonne, c'est que moi je suis les joueurs, c'est les joueurs qui fait que j'aime les équipes et j'ai toujours aimé Kawhi. Tellement que j'ai aimé Kawhi que j'ai, à mes 30 ans, en 2019, j'ai eu 30 ans, je suis allé voir Kawhi à mon anniversaire à Toronto. J'ai donné de l'argent à Toronto, j'en reviens pas, je me déteste. Et j'ai toujours admiré Kawhi parce qu'il est l'antipode de moi, parce que c'est un homme discret, qui est silencieux,
Et c'est une force tranquille. Alors j'aime beaucoup Kawhi parce que ça me montre qu'est-ce que je pourrais être si je changeais un peu. Écoute, je me souviens, la en 2019, sagesse. Ouais, la sagesse. Oui. Hey Max, souviens-toi, en 2019, je pense que quand les Raptors tiraient de l'arrière 0-2 contre les Bucks, il y a un journaliste qui demande, bon, c'est présentement 0-2, qu'est-ce que les Raptors vont faire? Puis Kawhi, on connaît Kawhi, là, dit juste, ben, on s'en retourne jouer à Toronto. Là. C'est pas mal juste ça. Là. Match 3. Ça donne une bonne idée à quel point c'est un gars discret. Thomas, j'aimerais savoir comment tu as commencé à jouer au basket. Tu sais, à notre époque, entre guillemets, puis j'aime vraiment pas ça dire ça, mais à notre époque, ça jouait un peu à RDS avec Luc Lebel, Bob C du centre-ville, mais fallait regarder la télé en anglais, tomber peut-être sur le match qui passait l'après-midi, tu l'enregistres sur ton VHS, puis là, je sais, je viens de dire VHS, j'ai mon âge, je viens de perdre le trois quarts des personnes qui nous écoutent présentement. Moi, j'avais aucune équipe au primaire ni au secondaire. Comment tu as commencé à jouer au basket? Je suis extrêmement chanceux, je suis Montréalais. Alors, il y a des paniers un peu partout. Alors, j'ai commencé à jouer, j'ai pris mon petit ballon. Et j'allais au parc et je jouais. Et des enfants beaucoup plus vieux que moi m'humiliaient. Et c'est comme ça que j'ai appris, en me faisant frapper le ballon dans le visage. Donc, ça a rendu mon nez beaucoup plus solide. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer au basket. J'ai appris à jouer au basket en jouant pas à l'école, mais en jouant dans les parcs, un peu partout à Montréal. C'est comme ça que je me suis développé. Puis est-ce que tu joues encore présentement? Je pense Alex disait qu'on écoute une couple de podcasts. Je pense que je me souviens d'un extrait. Tu disais que tu jouais dans des ligues, mais tu es le joueur qui va avoir plus de fautes que de minutes jouées dans un match. Est-ce que tu joues encore dans certaines ligues à Montréal? Je joue pas dans les ligues. Moi, je joue au YMCA ou je joue dans les parcs. J'ai jamais joué dans une ligue organisée. Je fais juste jouer avec des inconnus. Et ces inconnus-là ont très peur de moi parce que je crie, je suis pas bon, je donne des ordres, soit mes ordres sont pas très très intelligents, je crie des choses qui n'ont pas tout le temps rapport, comme pick and roll, mais on n'a pas le ballon, pas du tout. Au début ça marche, parce qu'ils font « Ah, il est tellement intense, il doit savoir ça », mais après 5 minutes, ils réalisent, ouais, ils me voient jouer, puis ils font « Ah, c'est juste quelqu'un qui a des problèmes ». Essaie de les évacuer dans le basket. On essaie d'éliminer. Thomas Novak, le joueur, ça ressemblerait à quoi? Indiscipliné. Okay. Colérique. manipulateur. Et capable de changer la partie parce qu'il mettait. Un truc que je suis très bon. Je suis bon avec les êtres humains. Je coopère avec les êtres humains. Puis une de mes forces, c'est quand je sais que le meilleur joueur de l'autre équipe est pas bon en jouer en colère, je le mets en colère. Fait que là, quand il est en colère, il joue moins bien. Et quand j'observe qu'il est bon en colère, je le complimente. Puis là, il n'est pas habitué à se faire complimenter parce que son père n'a jamais fait ça. Alors, il perd ses moyens parce qu'il n'est pas habitué d'avoir confiance en lui. Écoute, mais comment si tu fermes les yeux, pour... là, Alex, c'est Draymond Green tout craché, ouais, version Québec-Montréalaise. Là. Ouais. J'ai une force. Je crois que j'ai une force au basket, c'est les passes. OK. Bon, ben, c'est exactement Draymond Green. Pour passer le ballon. Mais comment tu fais justement pour rentrer sous la peau des joueurs adverses? Et j'imagine que comme tu joues au YMCA, puis c'est pas une ligue, tu connais pas nécessairement ces gars-là, tu peux pas aller faire des recherches pour leur parler ensuite. Comment tu fais pour savoir ce qui va piquer un gars que tu affrontes? Puis il y a des choses universelles. Personne aime se faire crier après. Ouais. Bon point. Un truc que je répète souvent au YMCA, c'est quand, mettons, les gars, ils font un move et ça marche pas, ou, mettons, ils font une passe dans leur dos ou sans regarder, je crie tout le temps, hey, il n'y a pas de fille ici qui tu veux impressionner. Ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas se faire dire qu'il n'y a personne. Fait qu'il y a des choses universelles. Tu remets en question la masculinité, tu leur cries après, et aussi, le fait que je ne sois pas bon, c'est vraiment insultant. Se faire remettre en question par quelqu'un qui, de toute évidence, ne sait pas de quoi il parle. Il y a de quoi vraiment frustrant là-dedans. Tu dis, il n'y a aucune humilité, ce gars-là, est comme pour qui il ne devrait même pas parler. Puis, alors, il y a ça. Mais moi, tu sais, écoute, j'ai toujours trouvé ça bizarre, puis je trouve ça encore bizarre, les ligues de garage, les ligues de bédaine, peu importe comment on les appelle, parce que c'est comme si les gens qui jouent là-dedans ne comprennent pas qu'ils sont rendus à 30, 40, 50 ans. Ils sont encore fringants, ils sont encore frais un peu comme quand il y avait 14 ans. Ils disent les mêmes choses, les mêmes
insultes, mais ils sont rendus à 30, 40, 50 ans, ils n'ont plus rien à prouver. C'est quoi, toi, peut-être ta meilleure ou ta pire histoire de la ligue de garage? Écoute, moi, j'ai vu des ligues de garage, que ce soit au hockey, au basketball, il y a des gens soit qui se battent ou qui passent à ça de se battre. Un, est-ce qu'on prend ça trop au sérieux? Mais sinon, quelle est peut-être ta meilleure histoire de ligue de garage de basket? Ma meilleure histoire, ça s'est passé près de RDS. Il y a un terrain de basketball sur Papineau entre Ontario et Maisonneuve pour la prendre cage. Le pont. Voilà la cage! Exactement. Un oui. Classique, Thomas. Mais oui. On a déjà joué avec un gars qui avait une pipe à crack sur l'oreille. Moi, je répétais. Les gars, ils disaient, non, mais c'est le basket. On accepte tout le monde. Je comprends ça. Mais je pense pas qu'il est en mesure de jouer avec nous. Non, 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 on accepte tout le monde. On juge pas. OK. Et en plein milieu du match, il y a un écran. Il a pas vu venir. Donc là, il y a un petit choc. Puis là, il s'est mis à crier. Puis ça, c'est violent! On a arrêté le jeu. On était tout correct. Puis, il criait beaucoup. Il avait le ballon, il lançait. Peu importe c'était où, il lançait. Et à un moment donné, il s'est juste couché à terre. Wow. Et on a dû jouer au basketball autour de lui, couché à terre, jusqu'à temps qu'il se lève. Ouais. Fait que pendant combien de temps? Il est parti. Ça a duré 7 minutes. Ouais. Toutes sortes de monde à la cage. J'ai joué là une couple de fois. Là, puis, tu sais, quand tu veux jouer 3 contre 3, puis t'es 5, puis là, t'es obligé de prendre le prochain qui arrive. Mais le prochain qui arrive, tu veux vraiment pas le prendre. Ça arrive souvent quand tu joues à la cage, malheureusement. Oui. Mais Thomas, si on regarde un peu l'actualité, tu dois suivre les séries, c'est sûr. Est-ce que tu dis que Draymond Green, c'est ton joueur préféré? As-tu une prédiction? Est-ce que tu penses que le Golden State peut se rendre loin? Est-ce que tu penses que les Raptors, c'est complètement fini? Je pense pas que les Raptors, c'est fini. Je pense que ça regarde très, très mal, mais je garde espoir juste parce que c'est le fun de garder espoir. Par contre, si tu as de l'argent à mettre, mets pas ça là-dessus. Tu vas pas pouvoir payer ton loyer. L'équipe la plus impressionnante, c'est depuis le début de la saison, c'est les Suns. J'ai aucune idée qui va battre les Suns. Puis je trouve que c'est... J'espère qu'ils vont gagner juste par principe parce que je trouve que c'est un beau jeu d'équipe, un beau jeu défensif et un beau jeu de passe. Je trouve que c'est l'incarnation de comment le basketball devrait être joué. J'adore ça. La part des équipes, souvent t'as l'impression que les jeux sont construits autour des joueurs. Là, il faut trouver un moyen pour que Embiid fasse un jeu. Ou là, cette possession-là, c'est faut que Harden fasse un jeu. Ce qui est génial avec les Suns, c'est que tout le monde, c'est le ballon qui est important. Comment on peut faire le panier le plus facile possible? Qui la rentre dedans, c'est pas grave. Est-ce que c'est Booker? Est-ce que c'est Bridges? Est-ce que c'est Paul? Ça, c'est pas important. L'important, c'est qu'on fasse le plus de paniers faciles consécutifs. Et je trouve que c'est une stratégie brillante et ça prend des individus qui se sacrifient pour l'équipe pour ça, puis je trouve ça beau. Ouais, avec une saison formidable de Chris Paul qui vieillit pas essentiellement, ça reste encore le bon vieux Chris Paul. On a remporté le titre pour la première seul fois. Problème de Chris Paul, puis pour ça que les Suns, je crois que personne, mais c'est pas tout le monde qui est courant dès le début, c'est que Chris Paul est toujours à une blessure près. Ouais. Tout le temps s'étirer un muscle. Il s'est déboîté l'épaule la saison dernière. Alors, faut pas partir en peur. On s'est pas gagné. Ouais. Thomas, moi, il y a quelques petits trucs que tu as dit qui me fascinent quand même. Un, tu as toujours rêvé d'être un Afro-Américain. T'aimerais ça être LeBron James aussi. Si tu peux prendre la place d'un joueur dans la NBA, prendre sa vie à l'extérieur du terrain et jouer sur le terrain, ça serait qui? Pourquoi? Est-ce que c'est LeBron? C'est Devin Booker? En ce moment ou avant? Un ou l'autre, peu importe. Okay, on va faire les avant, deux. Avant, c'est correct. OK, parfait. Avant, moi, j'aimais beaucoup... comment il s'appelait? C'est Iceman. J'aimais beaucoup Iceman avec les Spurs. George Irvin. Ouais, George Irvin était fascinant. George Irvin, qui était un des meilleurs marqueurs de tous les temps, mais il avait trop de cocaïne. Et George Irvin, il a failli battre le record de 100 points. Mais il a arrêté parce que son objectif, c'était de faire... Je me souviens plus c'était quoi le chiffre exact, mais pour gagner le championnat de marqueur, il fallait qu'il y ait un chiffre exact. Alors, il l'a eu. Dès qu'il l'a eu, il allait s'asseoir. Mais il était tellement chaud, il aurait pu se rendre à 80 points, 90 points, 100 points. Il était tellement égocentrique que je me suis dit, j'ai mon championnat, c'est cool.
Je trouve beaucoup drôle. Je trouve très, très drôle ce joueur-là. Puis je trouve que c'est une vie assez mouvementée. Sinon, en ce moment, un joueur dont j'aimerais avoir. La vérité, Ouais. Kevin Durant. C'est Kevin Durant, il est très talentueux. Il est. Un truc aussi que j'aime, il donne toujours son opinion, même si on ne veut pas l'entendre. Ça, je trouve ça génial. Et aussi, il y avait un scandale à une époque où on a réalisé qu'il y avait ce qu'on appelle un burner account. Il y avait un faux compte Ouais. Twitter où il défendait Kevin Durant, ce qui est extraordinaire, mais je respecte ça. Alors, Est-ce que Kevin tu as Durant, un burner account, Thomas? j'ai pas ça. OK. Ça J'ai devrait pas être. ça. Non, je défends tout avec ma face. Avec ton compte, ton propre compte, ouais. Mon compte. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que Kevin Durant, c'est un des joueurs les plus humains. Je trouve ça génial qu'un gars qui gagne quelque chose comme une cinquantaine de millions par année, si on compte avec ses commanditaires. Et c'est quand même un gars qui s'intéresse à ce qu'il y a du monde ou ce qu'on sait pense de lui. Je trouve ça Ouais. magnifique. Tu parles de Kevin Durant. J'ai envie de te parler de Kyrie Irving, match numéro 1 entre les Celtics et les Nets. On a vu que Ah Kyrie, ouais. bon, évidemment, c'est pas le préféré, loin de Là, en là, des fans arrière. à Boston. Et Kyrie, à place de rien faire, dit, moi, je vais t'envoyer le doigt d'honneur. Vous voulez faire ça, parfait. Je vais marquer 39 points dans votre face. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si Thomas Levac, justement, jouait dans la NBA, ce serait quel genre de joueur? Est-ce que ce serait justement comme un Kyrie Irving ou quelqu'un qui ferait du trash talk comme Kyrie qui parlerait avec les partisans? Je préfère Draymond Green. Lui, parle pas, Draymond Green ne parle pas aux partisans. Draymond Green, il parle aux autres joueurs. Je m'en souviens, une fois, les micros ont capté ça. C'était la dernière saison de Paul Pierce. Il Ouais. avait dit à Paul Pierce, il avait dit, hey, t'es pas comme Kobe, man. Le monde, ils feront pas de faire, ils vont pas, ils vont t'oublier. Ils t'aiment pas comme Kobe. Et j'avais trouvé ça tellement méchant et tellement mesquin. Moi, je préférais, je veux dire, moi, ce que j'aime, je le fais aussi dans ma carrière, puis si on fantasme, puis on imagine jouer de basket, tu n'attaques pas des gens plus faibles que toi, tu t'attaques à des gens plus forts que toi. Je trouve ça, le vrai défi, c'est d'attaquer un gars qui est plus gros, ou du moins aussi gros que toi, parce que attaquer un gars dans la 11e rangée qui dit t'es pas bon, c'est un peu ridicule. Et moi, ce que je trouve génial de l'histoire de Kyrie Irving, c'est, il fait le ramadan, il joue, même s'il n'a pas mangé, il fait son jeûne. Et je trouve ça génial que c'est un être spirituel, mais au basket, on dirait qu'il n'a rien compris de l'islam, parce que c'est pas écrit dans le Coran. Et un gros ego, attaque les autres, insulte. Normalement, quand tu as une spiritualité, tu es censé monter au-dessus de ça, comprendre, avoir de l'empathie. Il n'a aucune empathie. Il est imbu de lui. Je trouve ça génial. J'ai déjà lu un tweet génial qui disait, la religion sans spiritualité, c'est juste des règlements. J'ai l'impression que Kevin, c'est juste ça. C'est juste ce qu'il retient Bon point, de c'est vrai. l'islam. C'est Bon point. des côtés un peu plates. Alors, il y a toujours une histoire qui attend Kyrie Irving. C'est pas sa vaccination, change d'agent en plein milieu de l'année, qu'est-ce Disait qui que est la meilleur Terre était plate. aventure à Boston, la Terre était Oui. plate, écoute. Et j'aimerais ça rencontrer, s'asseoir un à un avec lui, savoir vraiment qu'est-ce qu'il pense du monde. Mais Thomas, si je te donne la possibilité d'aller voir un match ou une place, un aréna, est-ce que tu vas en finale de la NBA, tu vas-tu finale olympique, voir le Dream Team dans le temps, qu'est-ce que tu aimerais aller voir sur place? Ah, moi, je veux voir Jordan en vrai. Jordan en vrai, ouais, c'est une bonne idée. Jordan Jordan version des Bulls, right? Ouais, c'est ça, pas Jordan Wizards, là. Ouais, ben, peut-être, Mais mais on sait il pas. y avait quand même des bonnes statistiques. Ouais. C'était des bonnes statistiques, mais c'était pas aussi impressionnant que Jordan en 92, que tu peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Ouais, Non, Jordan en vraiment. 92, 93, parce que je suis d'avis que là où il est peut-être plus dominant, c'est sa première série de championnats, pas sa deuxième. Alors, j'aimerais vraiment voir Jordan en 27, 28 ans, là. Ouais. À son prime. Est-ce que Jordan est Ah. ton plus grand joueur de tous les temps? J'ai une drôle de réponse à ça. Je suis d'avis que le meilleur joueur de basketball, LeBron James, c'est le joueur le plus complet, c'est l'athlète le plus impressionnant. La plus belle carrière, c'est Michael Jordan. Tu veux la carrière de Michael, tu veux la mythologie de Michael. Et si on regarde ça franchement, le joueur le plus complet, le gars qui peut faire le plus de choses sur un terrain.
LeBron James est vraiment, vraiment impressionnant. Je veux dire, souvent, ça, c'est mon argument pour dire qui est le meilleur joueur. Quand il a pris une année sabbatique pour aller jouer au baseball, les Bulls se sont rendus en finale de l'Est. Quand LeBron James a quitté les Cavaliers, l'année d'après, ils ont repêché en premier. Ouais, Drew Bennett qui ont repêché en plus, joueur canadien, c'est un gros. Non, ils ont repêché. Je pense qu'ils ont repêché Irving, celui-là. C'est l'année où ils ont repêché Irving. C'est Irving, OK. Ils ont repêché après Bennett aussi, ouais. Fait que, tu vois, ils ont resté dans les bas-fonds souvent. La première finale de LeBron James contre les Spurs, où il s'est fait balayer, je crois que le deuxième meilleur joueur, c'était Iglauskas ou Drew Gooden. Ouais, c'était terrible. Ça n'a pas de bon sens. Il a réussi à. Le talent de LeBron James, c'est absurde. Il a vraiment amené des équipes. Il s'est rendu 11 fois là, en finale. C'est fou. Il y a une décennie, je pense, dans les années 2010, t'avais LeBron James, t'étais en finale. C'est absurde. C'est vrai, t'as raison. Thomas, Max, t'as parlé un peu de voyage là, de basket. J'aimerais qu'on vienne à ça. Quand tu vas voir du basket ailleurs, d'une autre ville, peu importe, à Toronto, t'es quel genre de partisan de basket? Est-ce que t'es arrogant? Est-ce que tu dis pas un mot? Est-ce que t'es le petit fatigant, genre, qui explique la game à sa blonde ou à son ami pendant 2h30? Parce que je peux dire qu'au baseball, mettons, c'est à peu près moi, je gosse parce que, en plus, je fais ça avec la voix des commentateurs de François Pérus un peu, tu sais. Oh, fait que, joue, mettons, à un jeu, c'est juste que ça tape ses nerfs au monde autour, évidemment. Mais t'es quel type de partisan de basket, toi? C'est intéressant. Moi, quand je vais avoir moi, dans la vie, je crois que je suis un bon spectateur. Alors, ce que je fais, c'est que je crie quand il faut crier et je hue quand il faut huer. J'embarque vraiment dans le jeu. J'embarque, je donne du jeu aux joueurs. J'ai l'illusion, moi, dans la vie, j'ai l'illusion que j'ai un impact sur le match. Alors, je hurle. Je boue, je crie après les refs et je m'assure que la personne à côté de moi mange beaucoup de hot dogs pour m'excuser. Je paye les hot dogs, je paye la bière, je paye les boissons gazeuses. Si tu mets un t-shirt, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu me laisses crier pick and roll pour vous absolument rien. Okay. Pendant qu'ils n'ont pas le ballon. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas le ballon. Exact. Est-ce que tu as déjà pleuré dans un événement sportif? Mais plus, moi, pour une raison que j'ignore, je pleure beaucoup au baseball. J'ai pleuré. Ah! Cette semaine, j'ai pleuré parce que j'ai écouté un documentaire sur le baseball. Ils ont montré la victoire des Red Sox en 2004. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau quand Roberts a volé le deuxième but au quatrième match à Boston. J'ai pas encore pleuré pour le basket. Non, jamais? Pas encore. Écoute, peut-être quand les Raptors ont gagné en 2019, mais ça, c'est après 12 shots de... Ouais, raconte, Peut-être que tu verras après, tu sais. En Canadian Club, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Peut-être en plus, c'était contre les Warriors. Ça, mais... C'était contre Draymond et les Warriors, donc peut-être tu pleurais, mais pas de joie. Pendant que tout le monde pleurait de joie à côté de toi. J'ai trouvé ça... J'ai toujours aimé prendre pour les Warriors, parce qu'il y a une équipe tellement forte, je trouve ça... Barcelone dans les années 2010, là, où tu faisais bien sûr que vous gagnez, là, bravo, là, vous avez le centre de l'Espagne plus Messi, bonne chance de perdre. C'est le fun, avoir une grosse équipe, c'est le fun être contre la grosse équipe pour. Si tu réussis à les battre, t'es tellement excité, c'est tellement. Je me rappelle quand ils ont réussi à battre les Warriors, mais quoi que cette finale-là, c'était différente parce que Curry était magané. C'est pas vrai. Durant était blessé, puis Thompson était blessé. C'était plus facile, disons. La vraie série difficile, c'était contre les Bucks. Ouais. Part de 0-2, gagne la série en 6. Ça, c'était complètement fou, je me souviens. Dans le match numéro 3, en prolongation à Toronto, c'est l'amphithéâtre, je pense, le plus bruyant que j'ai entendu de ma vie. Ouais. C'était complètement fou contre les Bucks Game 3. C'était encore plus bruyant que lors de la finale là, contre les Warriors de Golden State, assurément. Oui, parce que c'était des animaux blessés. Oui, mais ça, Warriors, écoute, ça... Ouais. Je sais pas que c'est pas correct, mais c'est moins... Mais c'est pas un rival aussi, hein?
C'est vrai. Pas un rivaux. Tu joues l'Est contre l'Ouest versus l'Est, tu joues au moins, je pense que c'est 8 fois dans l'année ou si c'est dans ta division. Tu joues l'Est, tu joues, tu sais, deux fois, une fois à la maison, une fois là-bas. Il n'y a pas vraiment une rivalité qui se crée, mais surtout qu'il y en avait une avec les Bucks, puis encore plus avec les Sixers juste avant. Thomas, j'ai une question pour toi. Je sais que tu as eu la chance d'avoir Maker Guerrier à ton podcast. J'aimerais savoir, est-ce que tu as la même maladie mentale, entre guillemets, que Maker Guerrier? Est-ce que tu as une collection de souliers de basket? Et ça, clairement, c'est un problème pour Maker qui a oublié qu'il y avait juste deux pieds. Tu sais, Maker, tu n'es pas un mille-pattes. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 paires de souliers. Est-ce que tu as cette même maladie que j'ai également, je dois dire, et d'avoir une Non. collection de souliers de basket que tu portes essentiellement jamais? Non, non. J'ai aucun soulier que je porte pas. OK. Aucun soulier que je porte Bonne pas. réponse. Et j'ai non, tout non. Puis si je suis chanceux, là, si j'ai des souliers de basket, je peux les porter sur scène. Et j'ai aucun soulier qui sont inconfortables que je porte pas. J'ai pas cette maladie-là. Non. Je trouve ça. Non. Non, 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 non. Mais si Donc, tu on sait que. avais une paire à acheter, ce serait lesquelles? J'embarque tellement. Je les souliers, si j'embarque pas. Moi, tout ce qui compte, N'importe c'est que quel. moi, Tu j'ai. l'as en spécial Mais au pas n'importe magasin. laquelle. Je suis obsédé parce que je me suis déchiré le tendon d'Achille et je me suis foulé les chevilles à plusieurs reprises. Alors, ça me prend des souliers qui font du bien à mes chevilles. Je suis obsédé. Là où je mets de l'argent, c'est que j'ai trouvé une paire qui devient rare, là, qui font que mes chevilles sont en santé. Et c'est pour ça que je mets de l'argent. C'est pour pas me déchirer le tendon d'Achille. Fait que je me dis que c'est pas si débile comme. Fait que c'est pas le look ou les couleurs ou quoi que ce soit là maintenant, que Non. ça soit flashy, rien, parfait. On est J'ai de la aucun. même J'ai école. aucun. Toi, puis moi, je ne veux pas te manquer de respect, mais on n'est pas Monsieur Steele. J'ai un t-shirt noir, j'ai un hoodie noir. C'est pas notre Ah, c'est priorité correct. dans la Merci, vie, Thomas. Pas de C'est style. pas. On n'est pas. Un de mes meilleurs amis, c'est Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Lui, il est Ouais. souligné. Il a une pièce La juste pour ses collection aussi. souliers. Lui, il vit dans Schlaga. C'est un petit appartement qu'il a. Il y a une pièce consacrée aux souliers. Il n'y a pas de bureau, mais il y a une pièce consacrée à ses souliers. Mon tailleur. Moi, j'ai pas cette maladie. J'ai pas cette maladie-là. Ah, c'est fou. Thomas, est-ce que en terminant, tu crois peut-être à la venue d'une équipe de la NBA un jour? Puis ça devrait être quoi le nom de l'équipe qui Montréal. représenterait bien la ville si jamais là, on se croise les doigts, puis c'est pas pour demain, là, mais si un jour on avait une équipe de basket de la NBA à Montréal, un, parce que ça fonctionnerait, ça devrait être quoi l'équipe? Le nom de l'équipe. Soit les corrompus ou soit la mafia italienne. Il Nice. faudrait qu'il y ait un lien par rapport à la corruption parce qu'on est reconnu pour ça. Thomas Levac, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours très apprécié. On sait que tu es un fan de basket. On a eu beaucoup de plaisir avec toi dans cette demi-heure. On rappelle, tu es auteur humoriste. Tu animes trois podcasts, le podcast de Thomas Levac, Couple ouvert et Deux Princes également. Donc, on invite les gens à se rendre sur YouTube pour aller voir ces excellents podcasts. Encore une fois, Thomas, merci beaucoup. Et on te relance l'invitation pour la saison prochaine. Ça fait plaisir. Salut Thomas. Bye tout le À monde. vous.